Bonjour Laetitia. Bonjour. Les histoires d'amour sont des planètes privées. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Est-ce qu'en lisant le scénario, vous vous doutiez de la difficulté du rôle ? Bizarrement, j'ai pas eu conscience de la difficulté de ce rôle. C'était plus une envie d'engagement dans une idée de l'amour, un idéal en fait. Et puis, bien sûr, sur le tournage, je me suis rendu compte à quel point c'était quand même malgré tout difficile. Quand on fait un film assez radical comme ça, où on sait que c'est pas justement, ça va pas être commercial, il n'y a pas une formule toute faite, forcément, ça, on sait qu'on va aller chercher des choses personnelles ou intérieures assez fortes. Est-ce que le fait d'être dirigé par une actrice, ça change la donne ? Dirigé par une femme, ça change. J'ai pas eu énormément d'expérience de tourner avec différentes femmes, en tout cas celle-ci, Hélène Filière, qui est assez puissante, assez volontaire. Je trouve qu'elle n'a rien laissé passer, rien, puisqu'il n'y avait pas ce jeu de séduction, il n'y avait pas ce rapport entre un homme et une femme qui est quand même malgré tout différent. Donc on est essentiellement dans le travail. Parfois, c'était suffocant, mais intéressant, du coup. Je te dis ce que tu veux. Je m'en fous de ton fric ! Je m'en fous de ton fric ! Je m'en fous ! Comment est-ce qu'on rentre dans un personnage comme ça ? Ce qui compte, c'est la sincérité de ce qu'on raconte, c'est-à-dire l'amour. Ce film parle d'amour. Donc, c'est un amour étrange, un amour perturbé, un amour... je dirais malsain, mais dans le fond, ça reste l'amour. Donc cette base-là, c'est pourquoi je le gifle, parce que je l'aime, parce que je mets des limites. Par amour, c'est ce qu'il me demande. Comme une mère qui punit son enfant, c'est un acte d'amour. Donc de là, j'ai justifié chaque geste. Quand on admire le sort, courageux. Justement, quand on tombe dans un drame dur comme celui-ci, on a un besoin irrépressible de décompresser entre les prises. Je crois qu'avec Benoît, vous n'avez pas le choix de toute manière. Il arrive à déconcentrer toute une équipe, ce qui est assez... Mais bon, Hélène, pour le coup, elle avait son fouet et elle nous a remis sur les rails. Lise. Fais-le. Tire. Tire. Je peux pas. Je savais que ce film-là allait être particulier, un investissement total, donc je me suis mise un petit peu, pour la première fois, dans cette bulle-là. Tu dois juste partir, tu le sais. Je me sens assez libre. Merci Laetitia. C'est moi. Merci beaucoup.